Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de U4 avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir, j'espère qu'on m'entendra, normalement c'est bon. Ouais, on a fait des tests, normalement c'est bon, du coup ouais, désolé hein, pour la merdouille de la dernière fois, c'était la magnifique mise à jour de Windows hein, qui nous a bien cassé les burnes de toute façon à tous les deux. C'est ça, donc oui, on aurait eu deux fois, oui, parce qu'un soir on voulait enregistrer et j'ai mis genre... on a mis une heure et quart de retard à cause de mon micro qui marchait pas, alors qu'en fait c'était pareil, la mise à jour qui avait désactivé les micros, enfin il n'y avait plus l'autorisation pour certaines applications, enfin c'était... Chacun se sera fait avoir, hein, à sa manière. Ouais, c'est clair. Maintenant c'est fait. Comme ça au moins c'est géré. Donc du coup on était en guerre contre le Ming. C'est ça. Et bon bah même si du coup les viewers ont probablement raté une grosse partie de la discussion, tu t'étais pris des grosses fessées mais ça commençait à ouais à ça revenir. Y est, j'ai relevé la tête de l'eau maintenant que j'avais géré mes bateaux, ça allait. Et donc ça du allait, coup bah allait. On était en train de l'enfoncer doucement. Tout doucement. Il n'y a pas d'armée qui se balade dans l'arrière-pays donc pas de stress. Je pense que tu peux repasser en vitesse 2. Hein. Ouais pardon, j'ai même pas vu qu'on était en vitesse 1 je t'avouerai. Oh, le petit siège qui tombe à 14%, ça fait plaisir. Ah merde, putain. Mon mec est mort. Mon roi est mort. Ah. On a une succession 5-5-4. Ah bah j'espère qu'il va pas crever celui-là. Alors, ses qualités de meneur d'homme et le sens tactique de Sri Vijaya Rashimi 1-1. Rajashima 1. C'est dur à dire. Oh la vache. À tes souhaits. Et en plus, il a 5% de discipline, le mec. Bah écoute, fantastique, j'ai envie de dire. Que demande le peuple? Alors du coup, ce fort est tombé. On va donc continuer d'avancer. Alors rocher jusqu'à Pékin, c'est peut-être un petit peu tôt. Ouais, attends, je suis obligé d'avancer par là. On va attendre encore un peu. Remarque, est-ce que dans la foulée, je déclare pas la guerre au Tibet pour faire grandir Dali? Remarque, est-ce qu'il a... Non, il a pas fait de revendication, ce con. Ah bah si tu lui dis pas, il y a des chances qu'il n'en fasse pas. Bah si, il me semble que je lui avais dit. D'ailleurs, je vais demander aussi à Sam bah d'en faire quelques-unes, genre en haut, là. Ouais. Bon, je pense que pas que le Ming soit complètement à poil, il doit encore avoir un petit peu de... Oh ouais, je pense quand même, hein. De résistance, donc on va rester pas trop loin quand même. Il y avait Marwar qui faisait un siège là-haut, qui a décidé de se replier. Je sais pas si c'est parce qu'il a vu se pointer une armée. Ah, le siège ici est tombé, c'est parfait. Donc là on va avancer du coup. Ah oui, là il y a 46 000 hommes qui sont en train de se replier. Est-ce qu'on peut les choper? Non. On ne peut pas les choper pour l'instant. Par contre, on va avancer tranquillement vers Pékin, enfin vers Datong plus précisément. Là, on peut y aller. On a complètement du renfort derrière, pas de stress. Ouais, bah Marwar, occupe-toi de ce siège, s'il te plaît. Ce serait vachement cool. Il est en train de se barrer complètement au nord, donc je pense qu'il va réapparaître à un moment quelque part, je sais pas où. Et du coup je peux plus avancer, ça y est. Je suis coincé. Là aussi on a beaucoup trop d'hommes, hein. Il y en a qui vont venir là. Voilà, ici on va se regrouper. Et on va commencer doucement à piller le territoire, ça doit être riche un peu dans le coin là. T'es toujours là, Damned, je t'ai pas perdu. Hein. Je suis toujours là, pardon. Je t'ai concentré dans mes mouvements. Ouais, parce que d'ici que ce soit le réseau qui chie et que. Et qu'on t'entende plus à cause de ça. La trait avec les Mamelouks qui a expiré. Et qu'est-ce que tu fous là tout en bas, toi? Allez, après, monte. Ouais. J'en ai 80 000 qui arrivent là. Ouh oui, effectivement. Moi je garde un peu un œil sur la carte pour être sûr qu'il n'y ait personne d'autre qui se pointe, mais ça a l'air de le faire.
T'as pas besoin de renfort, non, t'as les troupes. Non, non, c'est juste que j'espère que les troupes arriveront à temps. Attends, putain, en plus lui... Ah ! Pas de commandant, alors vite un commandant. Ouais, il est bien lui. Petit 3 étoiles, ça a tout changé. Ah, la claque qu'ils ont pris rien qu'en arrivant et malgré la différence de troupes, quoi, c'est impressionnant. Oh bah c'est bon, ouais, c'est bon les gars, vous pouvez retourner à votre siège, on les a éclatés. Ah ça y est, il y a 48 000 mines qui commencent à débarquer des Oirat au nord là, je les ai vus. Donc il a fait tout le tour le petit coquin. C'est pas très grave, d'ici qu'il arrive à assiéger mes forts. On va commencer à rapatrier un peu des troupes par là, du coup, dans l'optique de retraverser le territoire dans l'autre sens. On peut aller sur Pékin ou pas? Ouais, on peut aller sur Pékin. Hein. On va aller sur Pékin, du coup. En plus, il y a moyen qu'on chope tes 52 000 mecs en déroute, là. Pourquoi pas? Ce qui est bien, c'est que là on commence à se rapprocher, donc je sais qu'ils vont plus m'arriver par la droite, parce qu'on commence à bien voir la côte maintenant. J'aurais pu me faire surprendre quoi. Ouais. Mais du coup, ils sont en train d'arriver au nord là, ils vont dessiéger des trucs dans mon dos, mais bon, c'est pas trop grave. Je vais continuer mes sièges ici, ça me paraît plus. Plus intéressant tactiquement en tout cas. Ah, il y a 141 bateaux Ming ici, à Pékin. Ah, alors attends, tu m'excuses juste une seconde. Ici, est-ce qu'on pourrait les choper? Parce que j'ai des rébellions sur mes petites îles, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce move? Sinon, c'est pas drôle. Voilà, c'est bon. Ouais, bof. C'est pourrave ce mouvement. On va le laisser se balader dans l'Oirat là, franchement. S'il a envie de faire prendre de l'attrition, qu'il le fasse. Ça ne me dérange pas, moi j'assiège sa capitale. Ah, on n'est pas assez pour assiéger sa capitale, hein. Il va falloir des renforts, on n'a pas de commandant en même temps. On a une armée avec 20 000 hommes et des commandants là, ouais, c'est parti. Un petit commandant avec deux de siège, ça devrait aider. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ses 55 000 hommes? Il va par là, alors attends, pause. Est-ce que c'est jouable ça? Ça me paraît jouable, hein. Je vais là, je le chope. Vous, marche forcée. Vous, marche forcée. Vous, pas marche forcée. Vous, ça sert à rien, mais vous allez vous rapprocher quand même. On va tenter de choper ces types là. Il y a quand même bien moyen, je pense. Récolte abondante. What? On gagne du karma, oui. On peut prendre une tech, c'est pas une tech militaire, c'est une tech militaire, mais à 70% c'est un peu abusé quand même. Juste pour le plaisir d'avoir encore une tech d'avance sur le Ming. Allez, on va le choper. Putain, c'est long, on va... Attends, ils arrivent quand Le 2 juin et nous on arrive le 30 mai. Ah, ils ont réussi à s'enfuir, les enfoirés. On va quand même choper les 1000 péons là. Ils vont où après? Bon bah du coup arrêtez-vous vous. Alors attends, que je fasse un petit point là. Où est-ce qu'il va? À Dungovie. Bon bah tout le monde en marche forcée les gars. On trace à Dungovie. Vous, vous allez vous arrêter. Ouais, c'est peut-être un peu abusé d'envoyer 20 000 hommes. Intercepter 54 000 quand même. Vous y allez en marche forcée. Ah, ils font demi-tour, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils repartent à Kerlen. Arrêtez-vous. Chopez-les. Hop, en marche forcée, on envoie 40 000 hommes en renfort parce qu'il y en a 54 000 autres qui se pointent là. Ouah, ça va être un méga fight.
Ah ouais. Mais genre la violence quoi. 100 000 hommes contre 100 000 hommes. Oh la violence. Va-t-il arriver avant en renfort à temps Ah, ça va peut-être se transformer en 100 000 hommes contre 50 000. Les mercenaires, non, les mercenaires ils font n'importe quoi. Alors, on a gagné un nouveau niveau de professionnalisme du coup. Bon bah du coup ça va être 100 000 hommes contre 2 fois 50 000. Donc du coup c'est l'humiliation. C'est le stack wipe. J'ai gagné les gars. Ah ouais, je l'ai complètement dépiauté. Mais alors complètement dépiauté. On va se rescinder par contre. Et du coup on va se retourner s'occuper de prendre son pays dans l'autre sens. On désactive la marche forcée. Putain, mais y a ce merdier de troupes là. Bah là le MiG n'est plus ce qu'il était, ça c'est sûr. Voilà, un peu d'hommes, merci. Ah non, mais la Russie est un c'est un tributaire du MiG, la Russie, putain. Bon, en même temps, ce qu'il en reste. Ah ouais, j'avoue, c'est la tristesse pour lui. Bah, les Warats, ils ont bien grossi, quoi. Ah, mais il y a des séparatistes mongols qui ont popé dans mon dos, quoi. Fait chier. Des conflits intérieurs en Écosse, ok. Pour ce qu'il en reste. Ah, j'ai le Mexique britannique qui me revendique des trucs, quoi. Ouais. Bon, bah, il me casse les couilles avec ses sièges, là. Donc, on va commencer à déplacer des troupes par là. Quelques renforts. Voilà, le siège de Datong, c'est fait. On va s'occuper des rebelles, du coup. Je suis obligé de mettre 81 000 hommes pour faire le siège de Pékin, quoi. Non, vous servez à rien. Vous. Barrez-vous. Ouais, bon, là... Il est archi fini, quoi. C'est arrêté, vous. Le Ming n'est plus que ce qu'il était. Alors, il y a 35 000 hommes encore qui se barrent, il y a des rebelles qui sont apparus. Est-ce que je pourrais pas prendre un autre commandant? Ah non, j'en ai 4 sur 4 déjà. Ah, attends, je prends une aptitude. Qu'est-ce qui se passe? Avantage pour l'artillerie contre les forts, ah, c'est pas mal ça. Ouais, on va prendre ça. On va complètement prendre ça. Ah, et du coup, avec mon nouveau roi, j'ai enfin dépassé les 125% de discipline. Waouh! On est à 130 maintenant. Oh! C'est propre. Il me reste plus que quoi? Contrôler les institutions et disposer d'un régime politique ayant un parlement. Donc. Autant dire que c'est pas tout de suite. Enfin, c'est pas tout de suite, c'est pas l'heure du jour du tout même. Ouais, Pékin est tombé. Ah, c'est beau! C'est un fort level 6 ici. Ouais, bon, on va plutôt y aller avec. Ah, mais je suis con, mais je suis en train de poser mes troupes sur des territoires qui sont même pas au Ming, quoi. Je suis en train d'assiéger les Manchus. Enfin, d'assiéger, ça fait rien du coup, donc je suis en train de rien faire sur les Manchus. Ouais, bah ouais, mais pourquoi pas? Ouais, non, mais les 40 000 hommes que j'ai envoyés là, ils vont suffire, hein. On va leur foutre un commandant. Genre toi. Ouais, je vais même traverser pour aller assiéger l'île du coup, parce que j'ai mes bateaux au milieu. Alors ici on se replie, on va aller piller le Ming du coup, plutôt que rien foutre chez les Manchus, ça me paraît plus constructif. Bon, je vais attaquer le Tibet dans la foulée. Alors attends, j'ai perdu un conseiller. Morale navale, amélioration des relations, ouais. Les nobles, vous pouvez me lâcher un ministre? Lâchez-moi un ministre, voilà. Voilà, c'est fait. Hop, c'est parti. Un petit plus 3. On a des bateaux qui se touchent. Qu'est-ce que c'est comme bateau? Des galères. Plein de galères. Bah go. Bon bah je crois que je commence à te filer des territoires peut-être. Ouais bah là de toute façon 84% le pauvre. Je vais filer les trucs qui sont proches du miroir au maroir si jamais tu veux lui donner des choses. C'est quoi ce truc là? Ouais, vas-y. Ah non, ça c'est les Oirat, ok. Bon bah il faut que j'amène des troupes pour refaire les sièges là. Donc en avant les gars, bougez-vous. Vas-y, y'a le temps. Un petit peu de marche forcée. Ils vont y aller à grands pas.
C'est vrai, t'as raison. Marche forcée, c'est beaucoup plus efficace. Ça. Vous, pareil, pourquoi vous faites pas de la marche forcée? C'est ce scandale, j'enlève la pause, hein, y a même pas besoin d'être en pause, franchement. Farz. On va faire une revendication sur un truc, voilà. Il a encore normalement quelque chose comme 40 000 hommes qui traînent. Bon. Minimum. Ah, je sais pas où ils sont. Ouais, il les a peut-être montés tout en haut. Non, il a plus rien là-haut. Ah si, il a du territoire Ming en haut là. En haut à droite là-bas. Dans la pampa. Ouais, j'avoue. Ouais, on va peut-être pas aller jusque-là. Hein. Ah, il y a quand même 37 000 rebelles ici, là. Ok, bon, on va s'en occuper, du coup. On va essayer de tomber l'idée de la marche forcée, par contre. Ici, est-ce qu'il y a des trucs à piller? Oui, ici, ça se pille. Pékin, on pille pas Pékin? Ah, mais on a déjà complètement pillé Pékin, en fait. Bah, vous, allez finir Pékin. Ici. Et là ça bouge, ça c'est pillé, c'est pillé, ça c'est pillé, ça c'est pillé, putain c'est la tristesse. Je pensais pas que son pays était aussi pauvre hein, sincèrement. Plus ah bah pillé, il n'est plus ce qu'il était hein. Et j'ai l'impression qu'il s'est fait défoncer par des rebelles dans mon dos en fait, parce que c'est les rebelles que je combats quoi, c'est même pas lui. C'est tellement triste. Tradition navale mise à mal. Non. Une petite guerre sur ces bateaux là. Khmer. Khmer. Bon, je sais même pas si ça vaut le coup de te filer autant de trucs. Au final, tu vas pas remonter jusque là. Oh, je pense pas, non. Alors là, on a 9000 rebelles. On va laisser un truc faire le siège. Non. Stop. Ouais, encore plus. Allez-y, pas vous, les autres, s'il vous plaît. Voilà, 20 000, ça suffit. Vous scindez, du coup. Voilà, à part, je me fais plaisir sur le Tibet, et puis c'est bon. Hein. Les impôts de guerre. Bah oui, hein, on a des points, donc... Ouais, à mon avis, il doit s'être replié en haut, parce que je vois pas du tout où seraient ses troupes, sinon. Non, non, mais t'inquiète. Hein. Alors, hop. Le Khmer... Ah, on a trop de points. On a trop de points de mine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des points de mine? Bon, on peut remonter notre stab déjà. Ouais, c'est bien, on va faire ça. Alors, Pékin, on va le donner au Khmer. Ça, on le donne au Khmer. Ça, on le donne au Khmer. Ça, on le donne au Khmer. Alors on m'a dit dans les commentaires qu'il y avait une carte pour voir les édits. Il faut absolument que je cherche cette carte. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Enfin, je crois que là c'est un peu mort pour cette partie, mais... Niveau institution en tout cas, ouais voilà, c'est géré. Mais que même... Bon bah il reste plus qu'un fort à faire tomber, même sans blocus. Nos canons sont ont une supériorité sans égale. Ok, donc là les sièges c'est fait. Donc on redonne tout ça à machin. 97% le Ming, c'est beau. C'est dommage qu'on ait pas pu stack wipe ces dernières armées, mais franchement j'ai un peu la glu d'aller chercher. Hein. Non, tu m'étonnes, ouais y'a de quoi. Hein. Ça voilà le Tibet qui est en train de se faire. Oh bah on va pouvoir se faire plaisir là. Allez, le Tibet c'est 100%. Alors le Tibet, je passe en vitesse 1 juste pour pouvoir que ça continue d'avancer, je regarde un peu. Ouais, si tu prends tout le Tibet dis-moi parce que j'ai demandé à Sam de faire des revendications donc je lui dirais d'arrêter. Moi j'ai demandé à Dali de le faire aussi mais j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait. Par contre qu'est-ce qu'il me dit Dali? Non, ça c'est des bateaux. Ouais. Ah, il serait content. Et moi je lui filerais bien le territoire, mais je pense pas qu'il en voudra hein, s'il n'y a pas de. C'est ton vassal, il peut pas refuser. Hein.
Même si je lui donne... Si tu lui donnes les sièges, ouais, si tu lui donnes le contrôle et que tu lui files les territoires, il peut pas les refuser. Hein. Il va s'écraser, il va les prendre, hein, t'inquiète pas. Je vais pas lui en donner trop non plus, mais... Bah, si tu veux en donner à Sam, genre les trucs en haut, là, par exemple, tu peux te faire plaisir. Ouais, alors attends, parce qu'en même temps, oula, j'ai mon élection. Ah, les élections. Le plaisir des républiques, ça. Ouais. Bon, bah on va laisser des hommes un peu groupés au cas où quand même. Pourquoi il y a 30 000 hommes ici? Bah non, je peux les donner qu'à Dali, je peux pas les donner à Sam. Non, je peux pas lui donner. Ah bah oui, tu m'as pas invité dans la guerre. Oui, bah oui, non logique. Ah bah après je peux t'inviter, hein. Bah si tu encore m'invites, je pense que tu devrais pouvoir. Belle aux armes. Je vais regarder si je prends une... Ah oui! Nous y gagnerons 25 de karma, bah oui. Rien que pour ça, ça valait le coup. Ah mais oui, la petite armée qui se baladait depuis tout à l'heure près de mes troupes, c'était le Tibet. Mais ouais. Mais il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Attends, je vais remettre lecture. Est-ce que c'est bon du coup? Ouais, c'est bon. Alors, donc ça... Attends, je remets en vitesse 1, vas-y. Vas-y, vas-y, de toute façon, il faut que le siège de Shen Yang tombe, là. Je vais me prendre ces... Là, voilà. Ah, il a quand même un fort là-haut, ça me donne pas. Ça... Je vais bientôt faire ressortir ses bateaux du port si tu veux t'amuser à lui en piller quelques-uns. Ouais, alors après il a une grosse flotte quand même donc je vais faire gaffe. Mais... Ne peut être choisi car Assam le refuse. Ah putain! Ah, d'accord, donc quand c'est pas. D'accord, bah moi c'est possible, ouais, qu'il. Oui, c'est vrai que tu peux pas le forcer, c'est pas, c'est ouais, pas ton vassal. Sauf que le problème, c'est que maintenant, du coup, je suis obligé de laisser un territoire au Tibet. Bah non, mais attends, je te les redonne. Tu peux? Ah bah oui, oui, c'est mon vassal. Ah, mais je croyais que tu pouvais pas. Bah désolé, hein, c'est pas que je veux pas, mais... Ah bah non, non, y'a pas de soucis, c'est pas ta faute. Hein. Il veut pas. Alors tant qu'à faire, moi je le supprime, le Tibet. Hein. Bah oui, oui, du coup... Bah. Oh, il sait plus quoi faire avec ses bateaux. Donc le Tibet n'existe plus. 1000 faire 9 en démonstration de force. Pourquoi? Bon oh bah 99%, wow, on va s'arrêter ouais, attends, là, c'est bon. Il reste deux trucs à prendre là. Ah, il veut le 100%, il le veut. Bah on l'aura pas, faudra aller chercher ses territoires en haut, mais... Puis ses colonies et tout. Ah bah tu t'en occupes finalement des Tibétains. Bah est-ce qu'ils sont devenus des rebelles du coup? Ouais, ils sont devenus des rebelles chez le Ming, mais c'est vrai qu'ils pour l'instant... Ok, donc du coup t'as pris tout ça et t'as donné ça à Dali, très bien. Donc bah moi je vais bouffer à Sam, il peut plus grossir de toute façon. Donc on va pas se faire chier. La guerre a duré tellement longtemps que mon espion qui avait été détecté en Transoxiane, il a eu le temps de plus être détecté quoi. Ouais. Mine de rien, ces forts auront bien résisté. Hein. Pardon, je peux remettre en vitesse 2 du coup. Ouais, j'étais en train de me demander si je laguais pas parce que j'avais l'impression que ta bataille n'avançait pas. Te pète la barre du Ming. Ouais. Tu laguais parce que dans le micro c'était saturé. Hein. Mais Ah. Mais c'est revenu. Ok. Allez, je vais prendre ces deux derniers territoires de la côte là. On va repousser ces bateaux. Si tu veux un petit peu bon, plus bah, de score de guerre, faut toujours le taper dessus. Ouais, puis ça reste le plaisir de lui couler des bateaux. Bon, il a beaucoup de galères intérieures, mais enfin de galères pour les mers intérieures, mais bon, je pense que je devrais le dominer quand même. Et... Ah bah voilà, vitesse réduite. Ah bah ça tombe bien, j'ai trop de points. Ouais. Bah non, bah du coup laisse en pause. Ah oui. Je vais m'occuper de mes points. Bah je peux renforcer un peu ma légitimité, donc on va le faire. Voilà. Ça fera le job pour l'instant. On est en retard quand même niveau tech. Hein. La tech elle a été prise en 1752 et on a toujours 50%. Bon bah voilà, c'est sans appel. Ça va tomber. Là, je vais arriver à le choper. Oh, je devrais y arriver, ouais. Hop là. De toute façon, il est obligé de passer par la mer jaune.
Pendant ce temps-là, le Japon se fait plaisir sur les tributaires et tout, c'est la fête quoi. T'as tout le monde... tu regardes, tout est en guerre quoi. On a attaqué le Ming, ça y est, c'est le drame quoi. Ouais, tout le monde, allez, c'est le moment. Pourquoi Marwan est en exil là? Moi perso, je serais tributaire, ce serait le moment de dire. Ah ouais, complètement. Ouais. Bon, bah, allez, je vais subir une pénalité de franchissement de cours d'eau. Ouais, c'est dommage, j'aurais dû. Ah, je vais peut-être prendre un peu de dégâts quand même. Ouais, enfin. Je vais quand même lui faire mal. Hein. Je vais peut-être avoir un peu mal, mais je vais lui faire mal aussi. Hein. Ouais, il a du choc, quoi, ce que je n'ai pas. En vitesse 3, sinon ça va durer 3 plombes. Ah ouais, je suis en train de bien lui couler quand même. Hein. Ouais, ouais, il a souffert. Hein. Plus pour peu que t'aies quelques techs en plus. Oh la vache. Comme il s'est fait dépioter. Et encore, j'en ai pas coulé tant que ça. Moi j'ai perdu. Ah, J'ai gagné. Alors j'ai gagné 9. J'ai piqué 9 galères et j'ai perdu une frégate. J'aurais bien continué de le poursuivre, mais là. Je pense qu'il va aller. Bon bah les gars, on va commencer à rentrer. Hein. Surtout qu'il y a des rébellions qui pètent là. Alors, le Ming. Bon alors. Comment te dire, Ming? Bon, Vassal, c'est mort. Hein. 1007%. Ouais, non. Ah, il est encore un peu trop balèze. Millier. Ouais, déclaration, non, je m'en fous. Vous allez rentrer. Ah, par contre, est-ce qu'il a toujours autant de pognon? Ah, ouais, 4500. Ah, bah ça reste le mine quand même. Hein. Réparation de guerre, oui. Pas assez d'hommes. Ici, c'est bien ici. Vous allez traverser tout le continent, puis vous allez là. À Phara. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Ah, si ça coûtait pas aussi, franchement, si ça coûtait pas aussi cher de libérer les États, je l'aurais éclaté complètement, mais non, ça coûte trop cher. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, alors moi, je veux toute l'île là, parce que ça fait bien. Je veux la Corse du Ming, voilà. La Corse du Ming. J'aime assez l'idée. Ouais. La Corse, ouais, mais oh, la liste de territoires, elle est immense, quoi. Pourquoi nous ne pouvons pas demander un tribut, d'accord? Ah, je commence à en demander trop là. Ok. Où est-ce qu'il est, toi? C'est qui? C'était le Marwar. Hein. Ouais. Je vais demander un peu moins de fric, hein. Le fric, à la limite, je m'en fous. Hein. Oui, je pense que. À part pour le plaisir, quoi. C'est marrant. Ces pays pourraient bien rejoindre une coalition contre Khmer. Ming. Oh là là! Comment? Attention, ne fais pas n'importe quoi. Ouais, non, non, ça craint. Répat de guerre, par contre, je dis oui. Putain, ça va vite, en fait, hein. J'ai pas pris grand-chose, hein. Ah, mais putain, mais t'es obligé de passer sur les rebelles, toi. Mais t'es con, quoi. Passe par là. Ouais, non, je vais encore enlever du fric. Je préfère avoir moins de fric et plus de territoire, hein, clairement. Faut lui fermer le bras, là, ce serait bien, mais... Ouais, une fois que t'auras fait ta paix, on arrêtera l'épisode tranquillou. C'est ça. Bah, c'est qu'il y en a un que j'avais le droit, là, et j'aimerais bien... Il me disait que je pouvais pas le prendre trop. Ouais, ça, on est quand même à 99% du score de guerre, là. Putain, la vache, pourtant, j'ai pas pris grand-chose, hein. Si, j'ai pris toute l'île. Alors, attends, si j'enlève l'île, je fais ça. Ouais, pareil, hein. Les petits trucs proches devant, tiens, c'est pas mal, ça. C'est pas grand-chose, en fait. Allez. Voilà. Voilà, édit des états. Effectivement, il y a une carte d'édit des états. Intéressant. Bon, bah écoute, bah alors, et du coup, bah, on va gratter du fric, hein, si on peut encore un peu. Ah oui, c'est vrai, j'essaie de vassaliser la grande horde, moi. Ah, la vassalisation, c'est pas possible encore. Dans les répas de guerre, ouais, je vais quand même les prendre, quoi. Oh bah oui, oui, quand même. Prends pas son blé, prends les répas de guerre. Faut quand même le finir, quoi. C'est ça. Je vais pas prendre tant que ça, par contre, en territoire, hein. Tu vas voir, c'est pas immense. Hein. Ouais, enfin, t'as déjà blobé avec le Tibet, là, totalement gratuitement. Ouais, c'est ça. J'ai même pas pris toute l'île, quoi. Je
peux même pas prendre toute l'île. Ou alors si, il faut que je fasse ça. Et là, du coup, je peux même prendre ça. Allez, on va faire ça comme ça. C'est parti. Allez, bim. Oui. Un petit peu grossir le maroir aussi. C'est cool, merci. Bah, pas de soucis, hein. Ah bah notre âge d'or vient juste de se terminer. Dis donc. Ah bah pareil, 50 ans de prospérité. C'est vrai que ça a été un bon âge d'or quand même pour nous là, on en a bien profité. Ah ouais, complètement ouais. Du coup on va immédiatement lancer l'annexion d'Assam. Dali veut passer sur mon territoire, oui. Alors on s'est fait détecter en farce malheureusement juste avant de pouvoir refaire un réseau. Donc on va rappeler des gens et bah du coup on va arrêter l'épisode là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ma connexion étant ce qu'elle est, je ne sais pas quand est-ce que vous le verrez, mais bon, bah j'espère dans la soirée. Et puis, bah du coup, on se dit à demain pour la suite. Merci à tous. Merci à toutes et à tous.